tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler encore d'une spécialité gastronomique vietnamienne qui est la sauce nuoc mam. L'utilisation de la sauce à base de poissons fermentés remonte à l'antiquité. Les grecs et les romains faisaient jadis des salaisons d'anchois, de sardines. Ils récoltaient le jus qui s'en écoulait, après quelques mois, le garum, et l'utilisaient comme condiment dans leur cuisine respective. En Asie, la sauce de poisson n'apparaît que vers le VIe siècle de notre ère, dans le sud de la Chine, où elle devient rapidement un condiment fort apprécié. Pas étonnant dès lors que le Vietnam, qui est proche géographiquement et culturellement, finisse par se l'approprier au point d'en faire sa spécialité. La sauce nuoc mam se reconnaît à sa couleur foncée, à son odeur unie, et particulièrement saisissante pour les narines non averties. Comment se fabrique le nuoc mam la sauce de poisson fermentée est fabriquée à partir du pressage de poisson fermenté dans du sel. La véritable sauce Nyokmam est fabriquée exclusivement avec des anchois, même si dans certaines régions on y ajoute d'autres poissons. Les poissons sont entreposés dans d'immenses fûts ou jarres en bois. Le bois est choisi avec précaution, car c'est lui qui donnera une coloration particulière à la saumure, produite après pas moins d'un an de macération. Dans le cas de l'île de Foucault, le bois est du laurier à suif. La règle d'or veut que l'on mette une dose de sel pour trois d'anchois. Une première saumure peut, peut être récupérée et reversée dans le fût au bout de quelques mois, une étape qui se répète tout au long de la fabrication de la fameuse sauce de poisson. Les premiers litres de la récolte, appelés nuokmanni ni, sont considérés comme les meilleurs. La première pression étant, comme pour l'huile d'olive, la plus qualitative. Ce premier filet qui sort, sirupeux, est un vrai nectar. On notera que plus les mois passent, plus la sauce, très foncée au départ, commence à s'éclaircir et que son goût, très puissant, commence à s'atténuer. Le nuoc mam est un véritable atout santé. Il a en effet gorgé de protéines, d'acides aminés et d'éléments minéraux. Il apporte également du fer et des vitamines, en particulier la vitamine b 2 le tout est dans la formation des os et du sang, ou le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Le nuoc mam local, made in Vietnam. Le nuoc mam est certes produit un peu partout tout au long du littoral vietnamien, mais il y a tout de même trois sites qui se dégagent. L'île de Phu Quoc, dans le sud, est ainsi considérée comme le saint des saints par les amateurs de nuoc mam. Elles abritent en effet des centaines de fabriques artisanales et produisent chaque année près de 8 millions de litres de sauce. Cette sauce est la seule du Vietnam à bénéficier d'une indication géographique protégée, et pour cause, il s'exporte dans le monde entier. Petit détail à connaître toutefois, il est interdit de prendre l'avion à Phu Quoc avec des flacons de nuoc mam en soute, si ceci venait à se briser. Un peu comme le durian, au final. Mais au nord-est de Ségon, il y a aussi Phan Thiet, puis Natrang, célèbre station balnéaire s'il en est, qui est aussi le troisième haut lieu de fabrication de la sauce. Le nuoc mam, particulièrement savoureux. Le nuoc mam est utilisé dans la plupart des préparations culinaires vietnamiennes, mais il figure également en bonne place sur la table, où il tient le rôle traditionnellement dévolu au sel dans bien d'autres cuisines du monde. C'est sans doute pour cette raison qu'il est souvent dilué. Que ce soit avec du citron, du sucre, de l'ail, du piment, du gingembre, etc., il sera toujours en bonne, voire en très bonne compagnie. C'est généralement dans du nuogmam que l'on tremble les rouleaux de printemps ou les nems. Sinon, le nyogmam accompagne de nombreux poissons, crustacés et viandes, mais aussi des légumes sautés, crus, à la vapeur ou bouillis. Quelques faits. La Chine et le Japon ont progressivement abandonné l'utilisation de la sauce de poisson à partir du XIVe siècle, au profit des sauces à base de soja, à l'opposé de l'Asie du Sud-Est. Il existe une sauce de poisson végétarienne, elle est appelée Nyokmam euh, Che, et elle ne contient pas de sauce de poisson, elle est à la base de sauce soja. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir regardée, euh, j'espère que vous aurez apprécié découvrir cette sauce en fait qui est un point gastronomique et culturel du Vietnam. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo, d'ici là portez vous bien, allez bye bye